Bon. Mais je suis désolée, mais Elikaku, il n'est pas encore arrivé, on a raté l'avion. Moi, je suis l'attachée de presse d'Elikaku. Vous savez ce que c'est, une attachée de presse? Non. Ben alors... Ah non, 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 c'est pas moi qui écris dans la presse. Moi, je convoque la presse nuance. J'envoie les invites, je colle les timbres, tout ça. C'est moi qui lance ces artistes. C'est moi qui ai lancé Casimir. Casimir de l'île aux enfants. C'est moi qui l'ai lancé. Et maintenant, je m'occupe du spectacle d'Elikaku. Ah ben alors... Faut rigoler. Alors bon, j'envoie des invites à toute la presse, tout ça, toute la presse. Il n'y a que Maison et Jardin qui est venu. J'ai téléphoné à Drucker. C'était occupé. Occupé, occupé, occupé. Après, je suis allé manger un peu de saumon, après, je suis allé dormir. J'ai envoyé des invites à Guy Lux, à Sébastien, à Sabatier. Non, Sabatier, c'est revenu peu cher. À Arthur, à Foucault. Ah non, 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 Foucault, non. J'ai pas envoyé à Foucault, hein. Foucault, non. Foucault, non. Vous allez pas me dire que vous êtes pas au courant? Foucault et moi. Et vous lisez pas les journaux ici, Paris, la Belle Rousse, tout ça, c'était moi. Oui, mais moi, je travaille, moi. C'est à moi, c'est mon corps. Je fais ce que je veux, je suis une être humaine, merde. Excusez-moi, mais... Ellie arrive, il est prêt, fin... Mais oui, on a raté l'avion, on est venu à pied, vous vous rendez compte? Oui, c'est vous, l'animatrice? Oui, c'est moi, enchantée. Vous... Enchantée. Moi, je suis l'attachée de presse d'Ellie. Vous avez une très jolie couleur, ça vous va très bien. Merci, vous aussi. Moi aussi, merci, oui, mais moi, c'est naturel. Bon, écoutez, vous allez me chercher, hein. Alors, bonsoir, hein. Bon, on va essayer de faire l'émission, j'espère qu'il va arriver bientôt. Je vous propose un truc, en attendant Ellie, on espère que notre foyer test, lui, il est là, alors foyer test, est-ce que vous m'entendez? Allô? Bonsoir, c'est Marie-Thérèse pour le Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir, bonsoir au colons, bonsoir au piquant, et puis alors bonsoir à notre nouvelle animatrice, hein, parce que je ne sais pas qui c'est, comment vous appelez-vous? Maïtena, Marie-Thérèse. Oh non, c'est encore vous, Maïzena. Non, oui. Écoutez, franchement, vous n'êtes pas encore à Paris, non, sur M6. Pas encore, avec votre monsieur Artichaut, là. Vous daignez nous accorder encore quelques heures. Notez-moi que vous partiez, ça m'arrange. D'ailleurs, je vais lancer un message. Appel à monsieur Mouyavo, monsieur le directeur des programmes, pour remplacer Maïzena. C'est pas la peine de passer une annonce. Passez à la maison. Suis votre homme. D'accord. C'est une expression, hein. Oui, oui, c'est une expression. Marie-Thérèse, on vous retrouve tout au long de l'émission. Oui, oui, vous allez tous, sur M6. Ah oui. Oh, voilà. Non, sur la TSR, et j'entends qu'on me dit, par mon oreillette, n'est-ce pas, que Elikaku est arrivé, madame, monsieur, Elikaku. De retard, mais enfin, tout arrive. Eh oui, eh tout oui. Va bien? Ben, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Oui. Pourquoi ben ça n'allait oui, pas? Parce qu'on n'avait plus de place dans l'avion, et puis on a été obligé de faire sortir des gens de l'avion pour pouvoir occuper les places. C'est bon d'être une star. Et oui. Oui, mais oui. Moi, je ne suis pas une star, vous savez. C'est vrai qu'il disait Lee comme ça, mais finalement, c'est comme ça pour faire sa part. Alors, la première des raisons, c'est évidemment le rire. Eh oui. Alors là, il y a cette cassette vidéo, Elikaku à l'Olympia, déjà. Mm-hmm. Hein, alors ça, vous pouvez trouver ça un peu partout. C'est mortel, on est dans le public, effectivement, c'est mortel. Et puis, on va essayer de vous découvrir un petit peu pendant les 45 minutes de l'émission. Alors, moi, je me demandais, les débuts, c'était il n'y a pas très très longtemps. C'était il y a 4 ans. Oui, ça fait 4 ans, oui. J'ai commencé dans une petite salle de 80 places. Et puis, on a, avec un phénomène de boule de neige, quoi, on a pris une salle plus grande et plus grande. Et puis, 2 ans après, j'étais à l'Olympia. Mais 4 ans, c'est rien, 4 ans. Il y a combien d'années de galère, hein? Ça dépend pour qui, c'est rien, 4 ans. On prend des rides quand même en 4 ans. Oui, hein, enfin, moi un peu, mais... Vous ben, oui, c'est allé très vite. C'est-à-dire que... J'avais un style particulier, et un style qui a plu, et puis tout de suite, dès que j'ai commencé à me montrer à la télé, ça a tout de suite fait la culbute, quoi. C'est pas évident, ce style, parce que comme vous êtes le premier à le dire, vous êtes à mi-chemin entre... Enfin, en tout cas, vous marchez sur les mêmes plates-bandes que Boujna et que Lagaffe. Oui. Lagaffe, parce que vous venez du Club Med et que lui aussi. Oui. Boujna, parce que vous êtes juif pied-noir tous les deux. Oui. Et c'était quand même un style à part.
Ben oui, bien sûr, c'était, j'ai pas voulu faire que, j'aurais pu faire que de l'humour pied noir comme Boujna ou m'enfermer dans un seul personnage qui aurait été Madame Sarfati, puisque c'est ce qu'on me demandait le plus souvent. Et non, j'ai pas voulu parce que je voulais, c'est ce qui a fait mon succès, c'est que j'ai ratissé large, je plaisais à plusieurs sortes de publics et puis j'avais toutes sortes de publics dans mon public et voilà, c'est ça un peu mon secret, quoi. Alors, un des premiers publics, vrais publics, ça a été le Club Med, justement. Oui. C'était oui, marrant, cette période-là. Ah, c'était une des meilleures périodes de ma vie, parce que c'est, je passais les auditions à Paris, c'était très dur, et j'ai Vous passé une non, audition au club qui m'a pris, et puis j'étais en vacances, et puis je peaufinais mon spectacle. Ah, ok. Donc c'était en fait ce qui s'est passé au club. Ma galère, c'était le Club Med. Voilà. Ça va. Les gens qui galèrent à Paris, qui font, qui triment, moi, j'ai pas eu... Ma période de galère, c'était le club, et tant mieux, parce que c'était plus facile. C'était supportable, c'est... Ben oui, pourquoi souffrir quand on a le choix de ne pas le faire, de ne pas souffrir, voilà. Et il y a de bons exemples, j'imagine, il doit y en avoir de bons exemples de sketch, des idées de sketch parmi les clients du club, non? Non, pas trop, non. Non, moi je suis venu avec mes sketchs et puis au club, c'était un échantillonnage de la population. Les gens qui sont au Club Med, on les retrouve dans la vie aussi. Donc c'est pas vraiment. Je vais vous donner des idées de sketchs si vous êtes d'accord, Ellie. D'accord. Je suis sûre que là vous allez au moins en trouver un ou deux. Je vous demande d'accueillir nos chroniqueurs, Sophie, Sylvie et Noël. Noël. Bonjour Etina. Tu vas bien? Ouais, toi? Vous allez bien les filles? Ouais. Oui. Bon, parfait. Super. Alors, réaction immédiate de Marie-Thérèse, Porchen et Berthelaine. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Allô? Elle veut pas. Où est-ce qu'elle est? Oui, dis donc, je suis là. Dis donc, coupe. Oui, alors si j'ai bien compris, on a Elika Coupe et Elisa Cascou, alors. Hein. C'est ça. Dis donc, franchement, ma petite, alors toujours la même chose, Elisa. Sac de couchage, couché. Vous n'avez pas trouvé un autre moyen pour arriver dans cette maison? Regardez-moi. Le talon, c'est pourtant pas compliqué. Hein, j'ai pas besoin de me suspendre pour être au-dessus du loup. Voilà, on se rappelle à Léousse sur M6. Ce qu'elle est désagréable. Elle est bête, elle est désagréable. Hein. Vous savez, c'est une fille à potins, comme ça. Elle raconte toujours des trucs incroyables. Il faut des gens qui fassent courir les rumeurs. Vous aimez bien ça, les potins, les rumeurs? Ça dépend. Quand je ne suis pas concernée, oui. Mais peut-être que vous l'êtes, justement, ce soir. Je ne sais pas. Ben alors, nous avons notre personne à nous qui nous parle de nos amis des stars. C'est Sylvie, bien sûr. Ah, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette semaine, je me marre. Hein. Caroline Diana, 1-0. Et oui, cette semaine, c'est Caroline qui a marqué parce que madame s'est mariée avec Vincent Palpérez, hein, le lindon. Et oui, regardez comme ils sont mignons, tout amoureux, super. Magnifiques. Eh bien, vous y avez cru, n'est-ce pas? Bah oui, évidemment. Eh bien, vous n'auriez pas dû, parce que c'est de l'intox. Évidemment, c'est sur Voici. Et oui, et puis vous voyez la mairie ici. Eh bien, cette photo ne sert en fait qu'à masquer, voyez, qu'à masquer le faux rapport du photomontage. D'accord. Et puis à l'intérieur, vous en avez encore plein, des photos bidons. Hein, oh là là. Enfin, bon, heureusement que tout ça, c'est du bidon d'ailleurs, parce qu'autrement, les autres agences de photos, les pauvres, elles auraient vraiment raté The Scoop. Quant à Diana, elle fait tout pour rester, pour garder la cote. Alors, on croit qu'elle n'a rien à faire de la journée, mais en fait, elle a ses petites occupations, madame. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Œuvre de charité, voilà, musée, vernissage de peinture et sport. Et oui, Diana, tous les matins, va au fitness, la coquine, pour retrouver son rugbyman. Mais bon, cela ne nous regarde pas, évidemment. Non. Mais, surtout vous. Évidemment. Mais ça doit être plein de bleu, un rugbyman, non? Quelle horreur. Non, mais je pense qu'elle fait quand même un petit peu de sport, hein, parce que regardez un peu ses épaules musclées qu'elle a. En plus, elle les montre partout en ce moment. Oui, il y a juste le couturier qui change, mais le décolleté, lui, il reste. Hein, pas mal. Enfin, en parlant de sport, un personnage qui devrait s'y mettre en ce moment, c'est peut-être Pavarotti. Parce que, à part se faire embrasser par Diana lors d'un concert à Londres et de réussir à choquer les Anglais, qu'est-ce qu'il fait, Pavarotti? Enfin, ouais, il chante, en fait. Ouais, c'est vrai, il chante. Enfin, bon. Les seuls qui ont réussi vraiment à marquer le coup cette semaine, c'est Point de Vue, parce qu'eux, ils ont tout compris. Ils nous ont mis Diana et Caroline sur la même couverture. Comme ça, au moins, on est sûr d'acheter, quoi. Enfin, bon, à l'intérieur, ça craint vraiment trop. Parce que, franchement, hein, les vacances des princes de Parme, déjà, personne ne les connaît. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en tape? Enfin, bon. J'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine et je vous raconterai le divorce de Caroline ou le mariage de Diana, qui sait. Ça dépend de l'imagination des journalistes. À vendredi, voilà. Sylvie. Elle appelle tout le temps Marie-Thérèse, et ça alors... Oui, Marie-Thérèse, on vous écoute, Marie-Thérèse. Oui,
oui. Figurez-vous que Madame Lopez, ma voisine du 5e, a perdu son stérilet. Allez-y sur M6. Merci, Marie-Thérèse. Vous avez de la chance, Ellie, de ne pas avoir fait de disque. Je dis pas de bêtises, vous n'avez pas fait de disque. Pas encore, non. Eh bien, nous revenons de loin, car nous aurions pu avoir ce soir et ici la chronique du disque rare. Mais ça n'est pas le cas. Noël, arrête. Oui, non, si. Ouais. Si vous aussi, vous pensez qu'ailleurs l'herbe est plus verte, bah, soyez gentils, envoyez-en tout plein d'exemplaires à la direction, ils feront suivre. Sur ce, merci. Ah, merde! Bonsoir! Oh, Noël! Ah, chouette! Oui, Marie-Thérèse! Ma chère Marie-Thérèse, nous vous écoutons! Je suis sûre que vous avez choqué, Marie-Thérèse. Parler des pétards à cette heure-ci avec autant de liberté, je pense que Noël, c'est grave. Vous avez vu ce que vous faites à Marie-Thérèse, Noël? Bon, bref. Ouais, bah, qu'elle crève. Oh, Noël, t'es pas gentil, t'es vraiment pas gentil. Bon, Ellie, ça va? Oui, bah, oui. Bon, on va passer à quelque chose de plus calme, peut-être. Vous voulez? Non. Non? Ça tombe bien, nous non plus. On va parler de publicité, recto verso avec Sophie. Oui, bonsoir. La semaine dernière, mon spot était chaud, très chaud. Cette semaine, il brûle, ou presque. Regardez. C'est très spécial, je ne sais pas. C'est étonnant. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que vous avez compris dans toute cette histoire. Moi, rien ou pas grand-chose et j'ai dû me faire expliquer. Eh oui, c'est clair, le spot est obscur. La pub se veut contre le tabac. Du coup, elle montre un préservatif. Bizarre. Résultat, on ne comprend plus à la fin si on utilise un cigare pour nous parler du préservatif ou un préservatif pour nous parler des méfaits du tabac. Par contre, on comprend tous la grosse ficelle qui consiste à sexualiser le cigare et à faire passer assimiler le désir sexuel avec le désir de fumer. Et vice-versa, mais enfin bref, c'est pas très érotique tout ça. C'est pas très érotique du tout, et hélas, on pourrait finir par comprendre que pour arrêter de fumer, mais il suffit de mettre une capote sur son cigare. Oui. Totalement absurde. 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 Donc décidément, à force de prendre les cigares pour des zizi et les vessies pour des lanternes, on finit par dire n'importe quoi, du style « le préservatif permet de lutter contre le cancer ». Donc, moralité, messieurs, faites-vous une gâterie avec un préservatif, en écoutant la sonate au clair de lune de Beethoven, et avec un peu de chance, vous éviterez le cancer du poumon. Peut-être. Ou presque. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Ouais. Salut, Marie-Thérèse, on vous écoute. Qu'est-ce que ça va nous dire, Marie-Thérèse? Oui, c'est Marie-Thérèse Porchenet-Berthelet. Oui. Vous dites-moi la raison, la petite Sophie, c'est vrai. C'est bien joli de faire des séquences de prévention avec un préservatif, mais ils le mettent sur un cigare, ça se fait pas. Oui. On va pas mettre un préservatif sur quelque chose qui se met dans la bouche, c'est vrai, c'est dommage, une si bonne vie. Bravo. Merci, Marie-Thérèse. À plus tard, Marie-Thérèse. Merci. Merci beaucoup aussi à Noël, Sophie et Sylvie. Ça me rappelle le lycée. Oh, c'est une cigarette, il n'y a rien, c'est du faux, de toute façon. Ça vous fait penser à quoi? Au lycée. Oui, c'est un peu ça ici, quoi. C'est quand même un peu ça, le lycée. Bon, bah alors, voilà. Hein? Bon. Je vais pas le jeter dans le public parce que ça ferait des jaloux. C'est assez à la mode, ce genre de truc, remarquez. Mm-hmm. Enfin, c'est un pétard, soyons clairs. Mm. Oui, Marie-Thérèse, je vous écoute. C'est bavarde ce soir. Chacun sa mode, hein, ouais. Tous les goûts sont dans la voiture. Allez, où chez Uniprix, allez, ah, au revoir, à plus tard.
C'est le... Pas ça, pas ce qu'on vient de voir, mais ce qu'on a vu avant. Madame Sarfati, elle pourrait le mettre. Il y aurait un problème de taille. Oui. Parce que c'est XXXL pour Madame Sarfati, mais au niveau couleur... ça va, c'est bien. Elle est un peu grunge, Madame Sarfati. Oui, oui, Madame Sarfati est ouverte à tout ce genre de trucs. Elle est très branchée. Et Madame Sarfati, elle est branchée, mais elle fait aussi pleurer votre grand-mère. Madame Sarfati? Mais oui. Eh oui, c'est vrai. Comment ça se fait? Vous me racontez ça? Parce que ça? Ma grand-mère se reconnaît dans Madame Sarfati, alors elle se dit oui, il se moque de moi, etc. Et... Bon, c'est vrai que j'ai pris son peignoir, j'ai pris son châle et... Ah ouais, quand même. Mais bon, les gens imités n'aiment pas se voir imiter. Et, moi, c'est ce que je fais, j'imite des gens pas connus. Et puis quand ils se reconnaissent, par malheur, ils se reconnaissent, et ben, ça leur fait, ça fait toujours de la peine. Mais elle s'y fait quand même, parce que vous l'aimez bien, elle s'y fait. Oui, elle s'y fait, oui, bah, elle est bien obligée. Hein, elle n'a pas tellement le choix, ouais. Elle n'a pas trop le choix, oui. Il y a quand même deux, trois personnes qui la regardent. Oui. L'adolescence, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes juif tunisien. Oui. Donc on appelle ça un pied noir. Vous avez vécu à Marseille, vous avez On n'appelle pas ça un pied noir, parce que les pieds noirs sont d'Algérie, oui. Oui. D'accord. Oh. Autant pour moi. Ah, oui, bon, ben, L'adolescence à Marseille, vous avez dit qu'il y a un moment, vous n'étiez pas très à l'aise, quoi, avec votre famille. D'amener des copains chez vous, etc. Ben oui, parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je ne comprenais pas, parce que chez moi, ma mère et ma grand-mère avaient des petits mots en arabe, enfin, quand elles faisaient de la couture, notamment. Et puis, moi, quand je voyais que j'étais différent, parce que je n'avais pas l'accent marseillais, les gens me disaient, toi, tu es de Tunisie, etc. Et puis, quand mes amis venaient à la maison, je disais à ma mère, je vous avertis, quand Nicolas Millard et Jérôme Bastide viennent à la maison pour la piscine, vous ne parlez pas en arabe, sinon ça va mal aller. Toi, là. Oui, oui, d'accord, etc. Alors, donc elle cousait à la machine, et puis il y avait des mots qui s'échappaient, et je les regardais, elle disait à mes copains, dites-moi, ça ne vous dérange pas qu'on parle anglais? Et les copains qui avaient 7, 8 ans, et gobés, faisaient, ah, non, non, pas du tout. Alors ma mère passait pour une anglophone, plutôt qu'une... Parfait. On en reparlera. On en reparlera un petit peu plus tard. J'imagine que ça ne va pas toujours être facile non plus de grandir à Marseille, qui a quand même de temps en temps des gens un peu lourds, quoi. Bah, à Marseille comme ailleurs, d'ailleurs. Oui. Il y en a ici aussi, ce n'est pas aucun rapport avec votre famille, donc soyons bien clairs, bon, madame, monsieur, les gros cons. Ignoble, 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 ignoble. Mais je vous assure, madame, c'est ce que je fais le plus. C'est à la mode, ça vous va très bien. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Puis des clientes comme ça, j'en ai tous les jours. Hein. Moi, c'est bien simple, j'en peux tellement plus que j'attends que le samedi soir pour me faire emmener en boîte. J'arrive. Voilà. Ignoble. Merci beaucoup. Non, alors Bernard, j'en peux plus. Hein. Tu m'enlèves tous mes petits plaisirs, moi je suis à bout. Je suis nerveuse dedans, mais je suis... Une grosse pétasse, allez va raser Antonio. Je m'appelle Bernard, je suis patron de ce salon de coiffure depuis... Tu vas pas me prendre ça, ils sont venus pour moi. Bon, ça c'est Bernard, c'est quand même grâce à lui que je reste. Ne bougez pas comme ça, je vais vous couper, hein. J'adore cette musique. Maintenant, on rince. Non, moi ce que j'aurais aimé, c'est avoir une grande maison avec Bernard, des tas d'enfants. Je me ferai des mèches tous les jours, je serai heureux, je serai libéré de mes angoisses et je serai... Un gros con! Voilà, je vous ai fait une coupe Jacques Mesange avec de grandes boucles blondes, c'est magnifique. Merci beaucoup! Ben quoi, elle est contente. Ah, un appel. Oui, un appel. Oui, Marie-Thérèse. Oui, non, c'est Marie-Thérèse Porcheté. On n'entend pas Marie-Thérèse, on parle plus fort. Pardon? Parlez plus fort. Oui, mais dis donc, je parle déjà assez fort. Hein. Vous parlez trop. Il y a un problème à la TSR. Hein. Oui, alors, on vous écoute. Je voulais juste vous dire, vous avez vu, ils se moquent des aveugles. Alors non, quand même. Je veux dire, c'est peut-être les seuls qui regardent encore cette émission. Moi, je dis toujours, c'est pas bien de se moquer des handicapés. Moi, ça, je ne supporte pas. C'est comme les gens qui se moquent des sourds. Oui. Hein, les gens qui se moquent des sourds, eh bien, ils finissent toujours par se faire tipasser contre un pignet, hein, Maïtena? Bien sûr, Marie-Thérèse. Voilà, oui, on se rappelle. Aucun problème. Hein? À plus tard, Marie-Thérèse. Tu m'as pas eu sur ce coup-là. Alors, je vais te dire, tu m'as pas eu, Marie-Thérèse. Bon, vous pouvez. Ça vous fait rire, l'humour des autres? Oui. Pas ça toujours. Pas tout, mais oui. Oui. De temps en bien. Temps. Il faut bien rire, on peut pas se faire rire soi-même, je pense pas, quoi. Vous faites pas rire, vous? Pas vraiment, non. Non. Pourtant, vous nous faites rire, nous. Je comprends pas pourquoi les gens rient, je sais pas, j'ai une tronche ou je sais pas quoi, mais... Un peu, ouais. Je crois un peu, peut-être. Il va y avoir de beaux souvenirs de salle. La première salle, est-ce que ça vous est arrivé de faire... de jouer devant deux, trois personnes? Non. Oui. Oui. Devant mon frère et ma sœur. Ouais. Non, non, devant... non.
n'y a pas eu de... Parce que c'est allé tellement vite avec vous, tout d'un coup, vous retrouvez, paf, Olympia. Oui. Ça, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Ben oui, bien sûr, c'est assez extraordinaire. Mais moi, pour moi, c'était un rêve, parce que je faisais l'Olympia et je n'y croyais pas encore. Je disais, c'est inimaginable, c'est incroyable. Mais il y a eu plus grand encore. Il y a eu plus grand, oui, il y a eu le Zénith. C'est énorme, combien de places? 6 000. 6 000. 6 000 personnes. Ça va bien. Ah oui, ça va bien. On est bien, là. Vous avez déménagé, là, depuis que vous faites des grands salles? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de déménager. J'ai pas eu le temps de rien faire, ni changer de voiture, ni rien. Et moi, je vous ai dit, je suis pas une star. Je suis de rester nature. Et puis, je vais là où on me dit de venir. On m'a dit de venir là, je suis venu. Mais moi, vous savez... Ça va, c'est pas une punition. Pas du tout, au contraire, j'ai connu un groupe, Alliance Ethnique. D'ailleurs, je vais prendre le disque parce que j'ai pas de disque de rap chez moi. D'accord, voilà. Et c'est vraiment super. Au moins, j'aurais appris quelque chose d'intéressant. Non, mais et vous connaissiez voilà. déjà, vous l'avez dit. Ben, je connaissais Respect. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça c'est. Déjà, donc, mais les autres, je les connaissais pas. Puis il est beau le disque en plus. Bon, c'est super. Il y a plein de choses dans le spectacle et entre autres, il y a un peu. On l'a vu tout à l'heure, un peu des numéros transformistes. Oui. Et il y a une imitation qui est extraordinaire, c'est Dalida. Oui. Que vous aimez du fond du cœur. Et oui. Et que vous allez nous faire là tout de suite. Et je remarquais que l'imitation de Dalida, ça a toujours plu, où qu'on soit, depuis les petits jusqu'aux grands, et puis même jusqu'à présent où elle n'est plus, les jeunes reviennent à Dalida. Et ça donne comment? Un petit bout, un petit bout de Dalida. C'est difficile sans la robe et sans la perruque et tout ça. Mais bon, je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Voilà. Oh, c'est beau. Oui, Marie-Thérèse, vous avez fait. En fait, c'est... C'est une imitation d'imitation. C'est une imitation, des imitations de Dalida qui ont été faites et refaites. Donc c'est plutôt une caricature. Et vous ne louchez pas quand vous le faites. Et je ne louche pas quand je le fais. D'accord. Voilà. Marie-Thérèse nous a appelé. Qu'est-ce qu'elle nous veut, Marie-Thérèse? Oui, je vous écoute. Non, elle n'a rien à me dire. Oui, c'est dis donc, monsieur, Kouka et Kakou. 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 Dis donc, vous ne vous sentez pas ridicule en tant qu'homme de faire une femme? Parce que vous êtes pas mal en homme, finalement. C'est dommage, une si bonne viande, hein? Merci. Ellie, c'est toi là-bas dans le noir. Merci Marie-Thérèse. On va vous retrouver en Suisse. Vous venez jouer en Suisse. Vous allez venir début décembre. Ça sera le 9 décembre au Grand Casino de Genève. Oui. Et vous allez venir nous jouer quoi? Ben, mon spectacle. Le spectacle d'Eli Kakou de l'Olympia. Voilà. C'est un plaisir de venir jouer ici. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce qu'à chaque fois, je dis c'est un plaisir de venir jouer ici, l'artiste en face. Oui, la Suisse, c'est formidable. Pourquoi, Ellie? Ben, la Suisse, c'est bien, mais Madame Sarfati, elle passe pas des masses ici, parce que en France, on a beaucoup d'immigrés d'Afrique du Nord, donc il y a un argot qui s'est instauré dans l'argot français, comme Nadine Oumouk, des trucs, des mots vraiment qui font rire les Français, parce que c'est dans leur argot. Alors, ici, il n'y a pas d'immigrés d'Afrique du Nord, donc Madame Sarfati, qui est quand même un personnage important dans le spectacle, ça passe un peu à côté. Mais on s'adapte, on fait des trucs qui plaisent un peu plus. Il y en a d'autres, hein. Il y a Mongola, il y a Dalida, voilà, il y a Mongola. Mongola, ça plaît ici, oui. Oui, ça m'étonne pas. Okay. Non, mais c'est gentil, je veux dire. C'est vrai, et puis, il y a toujours l'athlète. C'est ce que j'adore. Donc, Mongola, les professeurs, etc., etc. Donc, ça plaît bien, toujours. Oui, en tout cas, on sera ravis de venir vous voir donc, le 9 décembre au Grand Casino de Genève. Oui. On a été ravis de vous recevoir dans cette émission. C'était un vrai plaisir. Merci. Et merci. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, vendredi prochain. Marie-Thérèse, ma copine. Oublié pour la conclusion. Oui, Marie-Thérèse, je vous écoute. Oui, alors oui, franchement, Marie-Thérèse, oui, alors oui, je m'entends vous dire que oui, alors oui, non, mais oui, alors oui. Bon, mais vous n'avez rien d'autre, autre chose à dire que oui, non. Oui. Oh non, elle chante, oh non. Mais oui, mais oui. Oh. Mais oui, mais oui. Moi, je dis oui. Oh là là. Encore là. Oui, toujours oui, quand c'est oui, mais bien sûr que oui. C'est bientôt moi la reine de l'émission, car Maïzena, elle a dit non, moi j'ai dit oui. Oui, mais oui, mais oui. Moi j'ai dit oui. Encore oui, toujours oui, quand c'est oui, mais bien sûr que oui. T'as voulu partir à Paris, queener sur M6, mais moi je reste en Suisse et je dis oui.
vivement qu'elle foute le camp, je me réjouis et je jouis. Parvenez-vous.